Aider les jeunes porteurs de projets à les réaliser en vue de lutter contre le chômage et la pauvreté sur l'ensemble du territoire du district d'Abidjan, c'est l'un des objectifs que s'est fixé le gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begré-Mambé. Une vision qui cadre bien avec la politique du président Alassane Ouattara, qui a inscrit la question de l'emploi des jeunes dans ses axes prioritaires. C'est tout le sens du concours dénommé Prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent, lancé à la mi-juillet 2014 et qui visait à financer la création de 20 entreprises pour un coût global de 200 millions dans différents secteurs d'activité. À la suite de l'appel à candidature lancé le lundi 21 juillet 2014, plus d'un millier d'hommes et de femmes ont pris d'assaut dans l'ordre et la discipline du rez-de-chaussée de l'immeuble Signal du plateau pour saisir l'opportunité d'obtenir un financement pour leur projet. Pour cette première édition qui a aussi constitué une phase pilote, ce fut un véritable succès selon l'avis de tous du point de vue organisationnel. Parfait accueil des candidats, fluidité de l'opération avec un personnel technique bien formé, mise sur pied d'un jury indépendant pour garantir la transparence et l'équité. Le tout sous la supervision d'un huissier de justice. Le concours visant à choisir 20 lauréats auxquels seront attribués des prix individuels d'une valeur de 10 millions de francs CFA en moyenne, je dis bien en moyenne, ce concours, disions-nous, a plusieurs objectifs. Permettre à de jeunes Ivoiriens de réaliser leurs rêves, de créer leur propre entreprise et de se projeter dans la perspective d'employé-employeur. Lors de la cérémonie de remise de chèques symboliques aux heureux élus, le mardi 29 juillet, à la salle Félix Houphouët-Boigny de l'hôtel du district d'Abidjan, le premier ministre d'un camp, représentant le chef de l'État, s'est félicité de l'engouement autour de la première édition de ce prix. Pour lui, ce projet est d'autant important qu'il encourage et promeut l'esprit d'entreprise. Ce prix, selon lui, est une contribution à la résolution de la question de l'emploi qui est un des axes majeurs de la politique du gouvernement ivoirien. Une politique qui vise à favoriser l'essor d'un secteur privé fort et l'auto-emploi comme une alternative durable à l'emploi public. Je voudrais avant tout, et au nom du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, que j'ai l'insigne honneur de représenter à cette cérémonie, adresser mes salutations les plus chaleureuses à l'ensemble des personnalités ici présentes. L'importance de cette cérémonie n'échappe à personne puisqu'il s'agit de promouvoir et d'encourager l'esprit d'entreprise au niveau des jeunes. Je tiens à cet égard à saluer le gouverneur du district d'Abidjan, à qui revient l'initiative de l'organisation de ce prix qui porte le nom prestigieux du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Monsieur le gouverneur, recevez nos sincères félicitations pour la justesse de votre initiative qui constitue sans aucun doute une contribution fort appréciable dans la recherche de solutions à la question de l'emploi et plus particulièrement de l'emploi des jeunes. Je voudrais vraiment qu'on fasse un banc particulier de votre gouverneur du district. Passé les étapes de sélection et de récompense, les lauréats ont intégré le centre d'incubation créé pour la circonstance pour y recevoir plusieurs types de formations, notamment en gestion d'entreprise. Parallèlement à cela, les fonds ont effectivement été dégagés et mis à leur disposition. Quelques mois après, que deviennent ces jeunes entrepreneurs émergents? J'ai été financé pour une application.
implication de gestion des hôpitaux, non seulement dans le privé, mais également dans le public. Lorsque j'ai postulé pour ce projet, c'est un objectif d'atteindre 10 000 sachets et je pense que nous sommes sur la bonne voie. Donc actuellement, nous visons les 20 000 sachets. Le projet, c'est la culture commerciale des tomates cerises hors sol. Donc en fait, comme vous pouvez le constater, on est au stade du repiquage, donc on a fait la pépinière, on a mis en place déjà toutes les infrastructures pour pouvoir mener à bien le projet. Mon projet consiste à installer une ferme piscicole et là on se trouve sur mon site sur lequel j'ai 8 étangs de poissons. Actuellement, j'ai fini avec le creuset des étangs. Je suis entré à la tuyauterie. Après quoi, je vais désinfecter mes étangs, faire la verdure en plantant du gazon. Et dans les mois à venir, un mois au maximum, je pourrai passer en production. Je prends la péta traditionnelle, mâle et femelle, complètement au village, mise en captivité pour la moderniser, sans la métisser. Les accoupler pour obtenir des œufs. À partir de ces œufs-là, je mets ces œufs-là dans la couveuse, une couveuse que j'ai bricolée à partir d'un vieux frigo. J'ai bricolé un vieux frigo pour obtenir une couveuse que j'ai appelée un incubateur. Je mets les œufs à l'intérieur pour les faire clore, pour obtenir des pintados. Mon projet consiste à l'unité de fabrication de savons solides et liquides, c'est-à-dire les savons de toilette, les savons de lessive, les détergents comme le Javel, et puis les produits qui servent à nettoyer le WC, les carreaux, etc. C'est un questionnement qui m'a permis de renforcer l'entreprise déjà commencée, déjà en matière première et je peux dire les matières consommables. Aujourd'hui, ça m'a permis aussi de renforcer aussi le personnel de Waïda, c'est-à-dire l'entreprise, de faire la production et la commercialisation des chips à base de la banane et de l'ignon de façon industrielle.